Alors, vous pourrez retrouver ce courrier sur le site internet karimbenani.net. C'est l'annexe B. Vous retrouverez l'intégralité de ce courrier si vous souhaitez donc en prendre plus amplement connaissance. Comme vous le voyez sur cette vidéo, cette crapule d'artiste peintre Karim Benani, qui a créé sa fondation avec mes sous, a donc tenté de me faire retirer le site internet karimbenani.net, où j'ai mis en ligne effectivement toutes les preuves de son escroquerie envers ma famille. Pour rappel, il a vendu une société et un bâtiment dont il n'était pas le propriétaire. Et oui, la spoliation foncière, effectivement, c'est un fléau au Maroc qui fait fuir beaucoup d'investisseurs. Alors, ne pensez-vous pas que si M. Karim Benani n'était pas responsable de ces actes d'escroquerie, il ne s'en serait pas défendu, plutôt que demander le retrait de ce site pour diffamation? En agissant ainsi, effectivement, M. Karim Benani admet implicitement avoir commis les escroqueries dont je l'accuse. Ma plainte déposée à Rabat contre cet individu n'a toujours pas abouti. Mais finalement, est-ce que le plus important n'est pas de faire savoir à tout le monde qui est réellement cet individu? Voilà, merci.